Quand je suis sur la mer, pour moi, c'est vraiment l'équivalent de s'évader du monde réel, de la ville, des autos. Ça me permet vraiment de me concentrer sur mes choses à moi puis d'oublier le reste du monde au complet. Quand il y a des gens qui viennent, ce que je veux leur montrer, ce que je veux leur faire découvrir, c'est les baleines, les poissons, la vie sous-marine. C'est tellement, tellement riche ici. Il n'y a rien de mieux que ça pour moi. Les activités connexes dans l'océan, comme la pêche au harpon, ça me permet d'étudier l'environnement dans lequel on travaille. Sous l'eau, là, c'est super important. Ça me permet vraiment d'évaluer la grosseur du poisson, le nombre de poissons qu'il y a sous l'eau, puis d'être vraiment plus sélectif dans la façon de les approcher puis de les récolter. Le côté familial de la business, c'est vraiment, vraiment une énorme partie pour moi. Là, on était proches avec mon père, mais maintenant, on habite ensemble, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Mon père, c'est devenu vraiment mon meilleur ami de loin. C'est un trésor de pouvoir passer le temps qu'on a. On sait jamais quand ça finit. Fait que d'avoir son enfant proche, puis de pouvoir en profiter, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux. Quand j'ai congé de pêche, c'est sûr que c'est 100% le surf. Ça m'apporte à rencontrer des gens locaux ici, puis ça crée des relations parce que justement, on partage les mêmes passions, puis c'est plus évident de créer des relations comme ça. Puerto Vallarta, c'est du côté Pacifique. Ici, on est dans la Bahía de Banderas. Énormément de poissons. À l'année, là, les opportunités sont infinies, autant en surface pour les gros pélagiques ou dans le fond pour toutes sortes de poissons. Commande! En arrière, vas-y! C'est chaud! On aime beaucoup partager avec la communauté autour de nous. Ici, c'est vraiment, vraiment apprécié. Là, amener du poisson, les gens, les yeux viennent gros comme des deux piastres. Moi et mon père, on est deux personnes qui sont pas fous, mais pas loin. High Tide. Le nom, on l'a pris parce que, justement, marée haute, ça nous représente. C'est vraiment un nom qu'on trouvait accrocheur. C'est vraiment important pour nous de réaliser nos rêves, nos trucs à nous, puis de les poursuivre. Puis je pourrais pas avoir l'impression de le faire plus qu'en ce moment.